Sur la terre, c'est pas ici, n'est-ce pas? C'est pas à l'église, c'est pas aux États-Unis. Peut-être quelqu'un est venu aux États-Unis parce qu'il est arrivé, mais on n'est pas du tout arrivé. On est venu, nous sommes toujours sur notre route. Donc, sur la route de notre destinée, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Jésus l'a démontré, n'est-ce pas, sur la route de Jérusalem lorsqu'il partait pour sa passion, il partait pour se faire crucifier. Donc, nous allons développer ça en ce moment-là. Et
C'est une image de ce qui nous, ce qui doit, en tant que chrétien, doit et qui va nous arriver lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur et marcher dans sa voie. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, c'est parce que nous voulons aussi être au ciel. En tout cas, moi, je veux être au ciel. Voici pourquoi j'ai accepté Jésus. Je veux pas mourir. Avant, j'avais peur de la mort. Même quand je passe auprès d'un cimetière, je ne regarde pas. Et les gens nous ont fait peur. Ils disent, quand tu lis le nom que tu n'as pas su lire, là, tu es mal. Tu arrives à la maison, tu meurs. Non, je ne sais même pas de lire le nom sur les tombeaux, là. Parce que je sais que... Et mourir. Pour moi, quand tu meurs, on te met dans le trou là, tu restes là-bas. Donc, quand je vois même constamment enterrer quelqu'un, même je tremble déjà. N'est-ce pas? Et ça, c'est pas seulement mon enfance, même quand j'avais grandi, jusqu'à ce que je connaisse Jésus. Amen. Pour savoir que la mort, c'est une grande délivrance. Amen. La dernière délivrance de l'homme. Matthieu 21, versets 1 à 27. Nous allons rester dans ce cadre de versets 1 à 27. Et si Dieu nous permet, bon, on va lire, réciter un peu le cadre. J'aime lire, la dernière fois ce qui est arrivé, j'ai préféré citer parce qu'on n'avait pas assez de temps et le temps pressait, il fallait faire tout vite, vite. Amen. Mais quand Dieu te dit lire, il faut lire. Amen. Si tu ne lis pas, l'ennemi va utiliser ta voix. Pour te persécuter. J'ai dit ça parce que de toute façon, l'ennemi m'a persécuté sur ça. Donc, j'ai préféré me confesser. Et puis, c'est fini. Il dit, c'est fini. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous allons lire Matthieu 21. Je sais qu'après la fête, tout le monde est fatigué. Donc, non. Nous allons tout faire pour finir un peu plus vite et puis aller à la maison. Mais la parole de Dieu est comme le miel, tu vois, non? Quand ça, ceux qui aiment Dieu aiment ta parole. C'est cette parole qui va nourrir notre esprit ce soir. Matthieu 21, versets 1 à 27. Donc, je vais aller pas à pas. Bon. Le premier point, nous allons lire. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, qui approchait de Jérusalem, Jésus, et qu'ils furent arrivés à Béphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, dans les lieux très élevés. Et la Bible dit au verset 10, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondrait, c'est Jésus, le prophète de le Nazareth en Galilée. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, qu'est-ce qu'on voit autour de nous, à la télévision, lorsque des gens, des artistes font des films? Et que le public a aimé, qu'est-ce qu'ils font? On les réunit et puis les gens les honorent. On les acclame. Ils deviennent comme des idoles. Ils deviennent tellement populaires. Et que quand tu les vois, même, ils sont assis, quoi. Ils sont enflés d'orgueil.
Et cela est rentré malheureusement dans la maison de Dieu. Quand tu rentres dans la maison de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les bishops, quand je te dis l'histoire de la mission de l'église, il y a plus de bishops, il y a eu plus, et puis ça ne vient pas d'arriver en Afrique. Depuis l'an 800, il y avait plus de bishops que de serviteurs, de brebis. Parce que tout le monde veut voir la gloire, n'est-ce pas? Et ce passage nous montre que quand Jésus partait à Jérusalem, c'était pour un but bien déterminé. Amen. C'était pour souffrir, mais après la souffrance, même tuer, enterrer et ressusciter, n'est-ce pas? Mais faites très attention, le point est que sur la route de ta destinée, si Dieu t'a appelé pour faire quelque chose, si Dieu t'appelle pour le servir, la première des choses, Dieu dit d'éviter la distraction de la popularité. Amen. D'éviter la distraction, c'est une distraction. Les gens ont mis leur paille, leur habit. Ils ont, à cause de l'onction, parce qu'avant il n'y avait pas Facebook même pour tester les autres pour venir, mais l'onction qui était sur Jésus a appelé tout le monde. L'onction qui est sur toi va appeler des gens à toi. Amen. Pour ce que tu fais. Dieu, surtout quand Jésus t'a destiné de faire quelque chose, à cause de l'onction, les gens vont venir. Mais la première des choses, Dieu te conseille, attention, ne sois pas distrait. Parce que c'est le premier point, la popularité. Tu n'es même pas rentré dans ton ministère encore. Il y a juste, combien, 6 points ici. C'est le premier point, la popularité. Les gens vont commencer à dire, ah, celui-là, soit il chante bien, ou bien c'est la champion, celui-là il prêche bien. Maintenant le pasteur, il y a des pasteurs qui sont payés à millions ici, vous savez, non? Des pasteurs qui sont payés millions même à l'année. Pourquoi? Parce qu'ils sont très populaires. Lorsqu'ils prennent le micro, tout le monde est content, ils vont venir dans ton église. Donc, pour les engager, c'est un problème. Parce qu'il y a beaucoup, qui sont sur la liste, ils doivent choisir. Mais cela est arrivé à Jésus. Tout le monde a commencé à crier Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. Toute la ville était en effervescence. Vous savez, Jésus n'a pas regardé cela. Il pouvait maintenant ça s'arrêter comme nous. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche, nous, les pasteurs? On invite des gens dans nos églises. On évangélise. On veut que des gens viennent à nous. On veut que les gens viennent dans nos églises. Et quand les gens sont là maintenant, on est content, n'est-ce pas? Mais est-ce que Jérusalem était... Nous allons connaître beaucoup de succès dans cette église, n'est-ce pas? Amen. Chacun pratiquera son ministère, mais d'éviter la distraction. D'éviter la distraction parce que ça tue, ça te détourne de ta destinée. Ce n'est que le premier pas. Alléluia. Amen. Matthieu 21, verset 10. Jésus était rentré et toute la ville était en émoi. Nous continuons. Le deuxième point dit, chasse les vendeurs d'illusions dans ta vie. Verset 21, quelqu'un peut lire Matthieu 21, verset 12 à 13. Je lis la parole. Jésus entra dans le temple de Dieu et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. La seconde chose, le second acte que Jésus a posé, c'était quoi? Est-ce qu'il a regardé les gens qui sont venus
le bastionnaire, il a dit, ah, si je dis quelque chose, ils seront découragés. Mm-hmm. Donc, je dois les laisser faire. Mais qu'est-ce que Jésus a fait devant tout le monde? Il a chassé. Il a chassé qui, les vendeurs d'illusions, les commerçants dans les églises. Malheureusement, aujourd'hui,